Notre projet s'appelle Correspondance citoyenne en Europe. Donc peut-être le plus simple, c'est de commencer par expliquer ce qu'est une correspondance citoyenne. Donc pour nous, c'est avant tout le fruit d'une rencontre humaine entre deux personnes. Un artiste qui travaille de manière temporaire dans un quartier, dans l'une des trois villes de notre projet, et une personne qui vit ou qui travaille dans ce quartier de manière permanente. L'idée étant de construire à deux un objet qui va matérialiser le regard qu'ils portent tous les deux sur un sujet de société. Le sujet qu'on a choisi de traiter dans le cadre de ce projet, ce sont les migrations dans la construction européenne. Donc ils vont construire à deux cet objet qui peut prendre plusieurs formes, une série de photos, l'édition d'une revue, la réalisation d'un petit film, une peinture, un dessin, etc. Et donc ils vont construire cet objet dans l'idée de l'envoyer à une troisième personne, à un destinataire auprès de qui ils veulent partager leur vision du monde sur ce sujet bien particulier que sont les migrations dans la construction européenne. D'une manière générale, c'est un projet qui réunit une équipe de 5 artistes et 5 chercheurs qui viennent de France, d'Espagne, de Roumanie pour travailler pendant 3 séjours de travail de 3 semaines chacun auprès des personnes qui vivent à Rennes en France, à Tarragona en Espagne et à Cluj-Napoca en Roumanie. C'est un projet qui a réuni des structures de domaines assez différents, aussi bien dans le domaine de la recherche comme le collectif Topic de Rennes, que dans le domaine social comme l'association Rennaise des centres sociaux de Rennes, ou la fondation Casa Lamic de Tarragona, ou la fondation Patrir de Cluj-Napoca, et bien sûr le champ artistique aussi qui était à l'initiative de ce travail et de ce projet, donc l'association L'Âge de la Tortue de Rennes et le collectif Ariadna de Tarragona et enfin la fondation Alt Art de Cluj-Napoca. Donc, ce qu'on a proposé à cette équipe, c'est de réaliser des correspondances sur cette question de la place des migrations dans la construction européenne. Pendant ces 3 semaines de séjour de travail, les artistes, les chercheurs se retrouvent dans un appartement et les artistes vont eux-mêmes sur l'espace public à la rencontre de personnes qu'a priori ils ne connaissent pas. Alors soit ils vont directement à la rencontre d'inconnus dans les cafés, dans les parcs, un peu partout, dans la rue, le métro, ou alors ils passent par une personne intermédiaire, comme une personne relais, qui va faciliter une rencontre avec des personnes qui habitent ou qui travaillent sur le quartier. Donc ça peut être soit une personne avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler, qui va nous présenter un collègue, un ami, quelqu'un de la famille, etc. Ou alors, pourquoi pas, des responsables associatifs ou des éducateurs ou des partenaires locaux. Pour citer rapidement les différents acteurs qui participent à la construction de ce projet-là, sans doute ça commence par les artistes puisque ce sont eux qui sont à l'initiative de toutes les rencontres à partir desquelles seront réalisées les correspondances. Donc eux, ils sont à l'initiative de la rencontre et à la fois, ils sont d'une certaine façon les techniciens de cette matérialisation du regard que va poser sur notre sujet les personnes qu'on a rencontrées. À côté de ça, bien sûr, ces personnes qui vivent dans les quartiers sur lesquels on a bossé, ils sont les détenteurs d'une vision du monde singulière, personnelle, à la fois intime, mais qu'ils s'engagent à faire partager sur l'espace public. Donc ils sont d'une certaine façon les porteurs de cette matière première irremplaçable à partir de laquelle on va travailler. Oiga, cocine. Cocine los platos que tiene preparado para hoy. La barriga la enseño. Que no está. Agáchate, hombre. Está fuera sola. Ya he visto, me he salido. Gracias.
À côté de ça, il y a ces personnes qu'on appelle dans notre projet des facilitateurs. Donc c'est des gens qui peuvent soit être des responsables associatifs, partenaires de notre projet, soit des personnes même de notre équipe, soit des éducateurs de rue qui ont bossé avec nous et qui vont essayer de faire en sorte que les rencontres se fassent plus facilement entre ces artistes en résidence et les personnes qui vivent ou travaillent dans les quartiers sur lesquels on s'est installé temporairement. La Fundación Catalamí tiene el objetivo principal de trabajar con infancia y juventud para la prevención del riesgo social. Contactamos con jóvenes y sus familias, ¿vale?, a través de unas rutas y también hacemos actividades concretas en los parques y las plazas. Je voudrais créer une revue, un journal qui s'appellera Eke Homo Europeanus. En fait, je veux faire ce journal ici et puis à Cluj. Entre le journal, le tract, le prospectus, sera réalisé avec les gens que je vais rencontrer. En fait. Les gens que je rencontre, à qui je vais poser des questions, je vais essayer d'avoir des discussions. La première question que je voudrais poser, c'est Como se llega a ser lo que se es. Olé. Je veux investir l'espace public d'une manière ou d'une autre, la rue, donc distribuer le journal. Je veux essayer de créer un petit événement autour de ce journal. Bon, il faut que les gens sachent que ça existe et pour ça, il faut que je distribue, il faut que j'en mette un peu partout. De façon à avoir une présentation finalement assez banale de la vie et de ce que c'est que l'Europe et conduire progressivement à critiquer l'Europe en tant que nivellement culturel. Deuxièmement, la forme de la revue, c'est une forme que j'ai choisie donc modeste, réalisée en noir et blanc, avec les moyens du bord, les moyens qu'offre le quartier, etc. Dans un souci de fondre ce travail-là dans l'espace social comme n'importe quel bout de papier en fait, qui pourrait exister. Quoi. Il faut bien comprendre que cette direction-là n'est pas la fin que je donne à mon travail artistique. En réalité, cette fin va être déterminée par l'environnement dans lequel se déploie ce travail artistique. Donc ça me paraît être une chose assez importante. Si es fill d'aquí. La meva dona també és catalana. És catalana, no? És catalana, tarragonana. Ah, molt bé. Tots els fills, tots són d'aquí i vull tenir tots. Ah, molt bé. Ah, tota una gran família catalana, catalana. ¿Y tú te quedas aquí a vivir ya siempre? No, el pago está Santa Lucía, jefe, aquí me muero al lado de mi familia. Busca la tierra donde vivo. Busca la gente, busca Cataluña. Muy bien. La verdad. Pues muchas gracias. Ensuite, le contenu de cette revue est prévu d'évoluer. Il est prévu d'évoluer vers ce vers quoi finalement les gens que je vais rencontrer vont m'emmener. C'est pourquoi on peut imaginer qu'il y aura des dessins, des photos, je sais pas, des graphiques, toutes choses qui permettront de représenter d'une part les routines d'adaptation de l'immigré, d'autre part les perspectives de cette adaptation et sans doute aussi les zones de non-adaptation, en fin de compte, les zones de compromis, les zones de consensus et de consensus et puis de controverse qu'il peut y avoir autour de la problématique de l'immigration donc dans un quartier et dans une ville et puis dans une ville européenne. Cette représentation n'est pas généralisable à la problématique de l'immigration,
mais elle vise simplement à partir comme ça de cas très très particuliers, très subjectifs, des points de vue finalement qui sont finalement aussi des préjugés au bout du compte, hein, probablement, pour les rendre accessibles, pour en, voilà, se servir de la revue aussi comme un outil d'information et de mise en lumière de ces points de vue très subjectifs. Ensuite, il y a les chercheurs. On leur propose d'être contributeurs au même titre que les artistes ou que les personnes qu'on a rencontrées dans ces trois quartiers pour réaliser une correspondance. Donc par la discussion, en développant une idée, en tirant la ficelle d'un témoignage pour aller plus loin, pour approfondir un sujet de discussion, ils se retrouvent eux-mêmes la troisième voie de cet échange entre les personnes qui habitent le quartier, les artistes, et donc eux-mêmes en tant que chercheurs, et qui vont fabriquer la matière que l'on retrouvera dans cette correspondance. Il y a un autre groupe de personnes qu'on a essayé d'associer aussi à notre travail, et avec lequel on aurait sans doute encore beaucoup de choses à inventer, à développer, c'est la place des responsables publics. Bon, la première caractéristique de mon activité de recherche dans le projet, c'est d'avoir pu la réaliser en résidence, donc effectivement d'avoir bénéficié de cette possibilité d'une immersion, et donc un travail qui peut se faire vraiment dans la continuité, dans la durée. Alors, ce qui me semble important, c'est que cette continuité permet sans doute de lever un certain nombre d'inquiétudes que peut générer la présence d'un sociologue. D'une certaine manière, l'activité s'acclimate progressivement, et puis le sociologue rentre dans le paysage, et puis sa présence peut-être devient moins intrusive. Je pense que la deuxième grande caractéristique, c'est effectivement la décision très tôt de tenir un journal de recherche et puis surtout de le rendre public au fur et à mesure. Donc là, je pense que ça a un avantage, c'est que ça met le sociologue immédiatement dans la production, dans le travail, comme le sont aussi les artistes. Et ça casse un petit peu cette logique dans laquelle le sociologue se retrouve très fréquemment, d'être dans une phase un petit peu distanciée, en observation, etc. Et puis de retarder le moment vraiment de produire et d'amener d'amener des éléments. Quoi. Bon, sur le contenu, moi, il y a vraiment une dimension qui est apparue de plus en plus importante et sur laquelle j'ai vraiment cheminé en termes de recherche, en termes sociologiques. Donc c'est la question de la rencontre. Donc aller à la rencontre de l'autre, rencontrer l'autre. Alors à la fois quand on le formule, ça paraît évident, mais la société nous dit tout l'inverse. Alors, nous sommes dans une société où effectivement les rencontres ne se font pas, les rencontres se font difficilement. Et je pense que quand on est dans un projet qui porte sur la place des migrations dans la construction européenne, la question de rencontrer le migrant, ou plutôt rencontrer la personne concernée par une migration, voire la question de la rencontre des personnes migrantes entre elles, me paraît assez décisive. Et je pense que là, il y a une dimension importante au projet, qu'on peut relier très fortement à la dimension de la correspondance. Donc une correspondance, c'est bien évidemment effectivement rencontrer quelqu'un. Donc comment réussir à rencontrer une personne, quel est le cheminement? Il y a le moment de la rencontre, effectivement, qui va créer une confiance, qui va créer un lien, etc. Mais je pense que la dimension de la correspondance apporte un plus. La correspondance, ça permet de donner une suite, de mettre en devenir la rencontre. Dicen de mí que yo no soy extranjera, que soy de agua, de frío y de bosque y río. Dicen que no corro allá en los pasillos.
en mirar hacia a España siempre estuvo en mi mente desde 1998, que fue la primera vez que estuve por estos lados con la compañía de teatro a la que pertenecí en mi país, ¿no? Un ex compañero del teatro se montó un bar por aquí y me propuso la idea de venir a trabajar aquí. No ha sido difícil comparando con otras personas, porque ya venía con una oferta de trabajo. Fue un contraste porque también dejar la familia en mi país, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a todo lo que había conseguido por medio del teatro. La prioridad ahora mismo es pues tratar de traer a mis hijos aquí a España. A ver si puedo lograrlo, puedo conseguirlo, ya que en mi país las cosas no están bien, tanto económicamente como en cuestión de seguridad, que es lo que más afecta, ¿no? Y si los tengo aquí, creo que estaré más tranquilo. Seré, solo viajera, seré, solo viajera, seré, solo viajera. Seré, solo viajera, seré, solo viajera, seré, solo viajera. Qué bonito. Ah, qué bonito. C'est lo que más me gusta. Il y a un autre groupe de personnes qu'on a essayé d'associer aussi à notre travail et avec lequel on aurait sans doute encore beaucoup de choses à inventer, à développer. C'est la place des responsables publics à l'intérieur de cette équipe. On a essayé de leur proposer de participer à certains de nos débats internes à l'équipe dans l'idée de réduire le fossé qui peut exister aujourd'hui entre la société civile et les citoyens d'une manière générale et ce qu'on appellera les décideurs. Il y a une forme de désamour de plus en plus important, nous semble-t-il, et il nous a semblé que c'était aussi notre responsabilité, nous, en tant que membres de la société civile, de réduire ce fossé. Donc c'est une tentative à développer. L'idée de cette correspondance, c'est vraiment d'adresser une production à une troisième personne. Cet artiste et cette personne qui vit sur le quartier choisissent un destinataire et leur adressent leur vision du monde à eux sur cette question de société. Et bien sûr, l'invitent, ce destinataire, à répondre ou à réagir à la correspondance qui a été initiée. Et ensuite, l'idée, c'est de rendre l'ensemble de ces échanges publics pour que ça serve de support au démarrage d'un débat sur ces questions de société qui, nous paraissent importantes. Par exemple, la question de la place des migrations dans l'avenir de l'Europe ou la place des migrants, des personnes qui ont vécu des migrations dans la vie de la cité. En France, mes correspondances buscaban encontrar a personas que, dos tipos de personas, o bien inmigrantes que llevaran un largo periodo en Francia y preguntarles si querían volver a su país. Para llegar a ese objetivo, pues hacía un cuestionario en el que buscaba su trayectoria vital y qué les había llevado hasta Francia. Yo tengo 52 años, soy casada con un francés bretón. Emigré a Francia en el año 1989. También me interesaba mucho conocer inmigrantes jóvenes de la segunda generación de inmigrantes con los que investigar esa dualidad de orígenes culturales. Y con Lidia vi que precisamente el conflicto estaba con su hija. ¿Tú quieres algún día volver a tu país, a vivir allí, o aquí te vas a quedar a vivir allí? ¿Cómo te piensas? Ah, yo y mi marido vamos a ir a Santo Domingo cuando él tenga su jubilación. Y mi hija se va a quedar aquí, yo creo, porque ella quiere trabajar. Y se encuentra un trabajo y un marido, se queda aquí. ¿Sí? ¿Y tú qué piensas de eso? Oh, es duro porque... No me gustaría irme que ella se quedara. Pero tú le has dicho que si se quiere ir contigo. Ella durante un momento me dijo que se quería ir, que no quería quedarse aquí sola. Pero yo le dije, bueno, pero si tú trabajas y si tú encuentras un buen marido y tienes hijos,
Pues... fue algo muy diferente con Mustafa, ¿no? Y yo perseguía encontrar algún tipo de complicidad con un grupo de gente y vi que el equipo de fútbol del barrio estaba compuesto por gente de origen muy diverso, casi todos de origen árabe. Y al final, aunque los perseguí por todo Rennes y alrededores para ver si conseguía esa complicidad, solo conseguí complicidad con Mustafa, con el presidente, que habló en nombre del colectivo y fue muy interesante. Alors, l'association a été créée en 2005 suite à ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue. On avait décidé de mettre en place des cafés sociaux dans le quartier pour discuter de ce qu'il y avait besoin dans le quartier pour pouvoir sortir de cet engrenage de petites violences. Donc le leitmotiv, ce qui ressortait en premier à chaque fois, c'était l'emploi. S'il y avait un emploi, il n'y aurait pas de délinquance. Donc reste l'association autour de l'insertion professionnelle. Donc notre but, c'était d'aider les jeunes et moins jeunes du quartier à trouver un emploi. Alors le club originel du quartier du Blône, c'est l'ATCM, l'Association de Travailleurs et Commerçants Marocains, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un club où nos parents ont joué. La nouvelle génération, les jeunes n'ont pas connu vraiment ce club, mais il y a encore des joueurs aujourd'hui, comme Ahmed par exemple. Son père était Gaul dans la première équipe dans les années 60. Dans les années 70, quand le club de foot a été créé, c'était uniquement 14 copains, en gros, 14 copains qui se sont réunis, qui ont décidé de jouer ensemble, parce que ce que les autres clubs de football proposaient ne les intéressait plus. Donc il y avait des clubs où la violence était présente, d'autres clubs où la mentalité des vestiaires ne leur plaisait plus. Donc ils ont décidé de se réunir et de créer une équipe ensemble. Et au fur et à mesure des années, ces 14 copains ont ramené d'autres amis. Et de 14 habitants de 3 tours du quartier, ça s'est transformé en un club maintenant avec 2 équipes et 50 licenciés. Donc sur les 50 licenciés, c'est tout quartier, toute origine, toute nationalité. Dans les quartiers, et le Blône en particulier, les petits clubs de foot comme le nôtre sont toujours amenés à s'entraîner sur des terrains de moins bonne qualité, des cailloux, à jouer sur des terrains de moins bonne qualité et sont réservés les équipements de qualité aux autres clubs, aux clubs qui ont une histoire plus ancienne ou qui ont un niveau de jeu plus élevé, alors que les équipements de quartier, à la base, ils devraient être attribués aux habitants du quartier, quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Thank you. Deia que és el meu lloc favorit del Blon. És super hipnòtic, tio. Per mi la correspondència és buscar fonts que donin peu a realitzar una obra artística, arquitectònica, fotogràfica, el que sigui. I en el meu cas, jo faig ciutats ideals, és a dir, ciutats dels somnis, ciutats de les emocions. Llavors la meva intenció és preguntar quina emoció, quin sentiment li desperta el Blon. Llavors a partir d'aquí poder fer una ciutat amb els sentiments. I la setmana que ve, doncs, el dilluns, he quedat amb l'André, que és un sociòleg impressionantment interessat, amb qui espero arribar molt, molt lluny. Sí, aquí la clau és veure que la bombolla s'emporta a la ciutat i crea aquesta sensació de solitud per l'André, a la nit quan torna a casa. Llavors, així, per exemplificar-ho una mica, ho faig amb un perfil, no? I aquesta és la manera rústica de fer les bombolles.
perquè això... Bueno, no surten millor que les altres, però... La veritat és que aquests edificis es converteixin en bombolles i se'n vagin cap a dalt. Llavors, la idea és que aquí quedi algun edifici, però línies, bàsicament, i les bombolles dels edificis a dalt. Quizá la gran correspondencia en Rumanía, que ha sido una correspondencia colectiva, ha sido el colectivo de gitanos, ¿no? Generó muchos debates en el grupo artístico, porque son los gitanos inmigrantes. El gran debate fue el estado de discriminación patente que sufren en Rumanía, ¿no? Y quizás el ejemplo de la discriminación que sufren en todos los países, ¿no? Es lo más palpable, ¿no? Y aquí nos encontramos en un caso brutal con los gitanos de Patana. Mă numesc Creta Ernest, sunt locatarul de pe fosta coastei, actualmente Patarât.
În data de 17, dimineața la ora 7, s-au prezentat oamenii primăriei, adică poliția comunitară, împreună cu o doamnă, după care au venit cu mașinile, au fost peste 100 de polițiști comunitari. După ce am semnat contractul, ne-au dus în cameră și am văzut că este o cameră. După ce am văzut camerele, am încercat și ne-am pus mobila înăuntru. Camera este mică de 15 pătrați și una de 18 pătrați. Și unde au pus câte două familii în cameră. Între 8 și 12 persoane în cameră. În această iarnă ne-au lăsat pe drumuri și copiii noștri și care stăm în locuințele acestea se îmbolnăvesc din cauza igrasiei, din cauza apei că curge pe pereți. Je crois que c'est le sens du dernier texte que j'ai écrit pour les correspondances, cette idée de l'exigence de civilité. D'ailleurs, cette exigence de civilité, c'est effectivement construire une attention à l'autre, être attentif à l'autre, et puis par ailleurs, se montrer capable d'être avec l'autre, de concevoir, de construire des choses avec l'autre. Derrière cette exigence de civilité, il y a effectivement cette rencontre qu'il faut arriver à réaliser, cette disponibilité pour la rencontre qu'il faut arriver à trouver, quoi. Alors le but du projet en lui-même, c'est avant tout d'expérimenter des façons de travailler entre artistes, chercheurs, éducateurs, interprètes, à partir de la parole que les personnes que l'on a rencontrées nous ont confiée. Donc c'est vraiment poser la question du politique là où elle est rarement posée, mais en tout cas là où vivent les gens véritablement. Donc c'est aussi aller chercher leurs opinions, leurs émotions, leurs histoires personnelles, leur vision des choses sur cette question des migrations dans la construction européenne, pour la donner à voir et pour démarrer le débat à partir de ça.